La Chambre du commerce et d'industrie du Maroc en Côte d'Ivoire, la CCIMC, a été créée en 2013 par un groupe d'entrepreneurs marocains installés en Côte d'Ivoire. Son but est de servir de relais entre les investisseurs et les pouvoirs publics ivoiriens et marocains et développer les relations commerciales, industrielles, financières entre les deux pays. Parmi les partenaires de la CCIMC, on peut désormais compter la Compagnie Royale Air Maroc. À Abidjan, une convention entre les deux parties vient couronner des années de collaboration et fluidifie encore les déplacements entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, ils sont très élevés et aujourd'hui avec ce partenariat, ça va permettre aux différents chefs d'entreprise de bénéficier des tarifs préférentiels au niveau de leurs déplacements sur le Maroc comme la France. Donc aujourd'hui, ces chefs d'entreprise pourront bénéficier de ces avantages, aussi peut-être aussi de leurs différents personnels et les membres d'honneur de cette chambre. Cet accord de partenariat est dans la continuité de notre politique commerciale de proximité par rapport à nos marchés stratégiques. Donc l'Afrique aujourd'hui est au cœur de nos priorités stratégiques. Nous sommes une compagnie africaine, membre de l'Alliance One World, et nous sommes avant tout là pour servir nos frères dans tous les pays que nous desservons. La Royal Air Maroc a une présence de près de 48 ans en Côte d'Ivoire. La compagnie a atteint le double quotidien en pointe et 10 fréquences hebdomadaires. Une fréquence de vol soutenue par les relations bilatérales entre les deux pays qui ont connu un développement significatif à tous les niveaux sous l'impulsion du roi Mohamed VI et du président Alassane Ouattara. Donc nous avons une dynamique très positive qui vient d'être renforcée par cet accord aujourd'hui et nous souhaitons beaucoup de succès aux différents investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire et nous réitérons notre disponibilité à les accompagner pour le succès de leurs objectifs. Le Maroc figure depuis quelques années parmi le trio d'investisseurs en Côte d'Ivoire.